Bonjour tout le monde, mais c'est Vendredi Day. Aujourd'hui c'est Vendredi Day, mais on est jeudi. On continue le gameplay sur Watch Dogs Bad Blood, mais là j'en fais deux pour faire celui de mardi et mercredi. Et puis aujourd'hui je fais trois vidéos. Donc je vais vous dire deux épisodes de Watch Dogs Bad Blood. Et puis la vidéo de jeudi qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on continue là pour l'instant, je fais la vidéo de mardi. Le gameplay de Watch Dogs Bad Blood. Donc, c'est parti. On commence tout de suite. Je vous dis, celui-là, on va vraiment le finir. Puis quand je dis qu'on va le finir, on va le finir. Donc, je vais vous installer comme comme d'habitude. Je vais faire un tiroir pour mieux vous rapprocher. Et voilà. Bon. Donc, on va se partir. Parfait. Donc, Watch Dogs Bad Blood, continuez. Désolé pour le retard que j'ai dans les vidéos, là, c'est que j'ai des problèmes, c'est un site, ça fait que je peux pas trop faire des vidéos. J'ai des visites à faire là, faut que j'aille voir telle personne, j'ai un dîner, j'ai un souper, bon. Fait que c'est un site, j'étais un peu occupé, mais là je vais reprendre le cours normal, là c'est pas mal calmé. Bon. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le gameplay, je venais de pirater le CityOS. Je venais de pirater le CityOS de cette place-là, je pense. Donc là, on est rendu à la mission qui s'appelle Lapa. On va se commander un char pour l'instant qu'on n'est pas en mission. Bon, regardez, moi je suis pas mal du genre, vous me connaissez déjà, je suis pas mal genre moto, donc je prends une moto. On va se mettre un peu de musique en y allant. Je mets toujours la même musique, parce que c'est la seule du jeu que je trouve assez bonne. J'adore cette musique, ça n'a pas de sens. Lance-toi, moi je bosse. Donc, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos. Donc, si vous vous rappelez, Thibault, vous avez appelé Tobias pour dire qu'elle a servi de lui comme un pont
pour rentrer chez Bloom ou des affaires comme ça, pour pirater le prochain CTOS. Mais en même temps, ça va la pas, c'est un danger qu'il fait parce que Tobias il est cherché par les fixeurs, donc ça va lui comme la pas, c'est pas la meilleure idée. Puis en plus, il est dépressif, là, puis ça n'a pas de sens. Tobias il est peu heureux. Nous voilà arrivés à la mission LAPA, acte 2. Frère, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas une idée de merde. On sait que ces gars-là surveillent ton ancienne tôle. Donc on va t'utiliser histoire d'attirer leur attention et remonter jusqu'à la source. Ah ouais, eh ben je marche pas. Je me ferai un plaisir d'écouter tes inquiétudes sur le chemin. Ça y est, t'es prêt? Non. Tant mieux, allons-y. T'es prêt? Non. Tant mieux, allons-y. Wow, wow, là la tune de marne. Je fais quoi si je vois quelqu'un? Tu restes? Donc, on va écouter la conversation, mais pour commencer, on va se mettre un peu normal. Normal, faut qu'il se doute de rien. Normal comment? Normal pour toi ou normal pour moi? Parce que pour moi, normalement, j'évite les gens comme la peste. Surtout les gens dangereux. Normal comme normal. J'ai besoin d'un peu de temps pour accéder à leurs données et voir si je trouve quelque chose. Toi, tu te contentes de marcher, je serai derrière toi. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Je me demande ça, parce que peut-être que vous entendez pas bien. Là. Non seulement ils sont à ta recherche, mais en plus, ils savent que t'habites à Clonoville. Appelle pas ça comme ça. Donc, si tu vas à la pêche au fixeur, moi je suis quoi, moi? Je suis l'appât. Non, je préfère dire que t'es un élément essentiel. Ouais, un l'appât, quoi. Et ici, ils se décident à bouger. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est là que j'interviens. S'ils donnent l'alerte, ou s'ils s'enfuient, je pourrais remonter jusqu'à la source. T'inquiète, fais-moi confiance. Oh, quoi? Tu veux que je te le répète? Ah. Oui, parce que je te ferais dire qu'à l'origine, c'est toi la cause de mes problèmes de confiance. Eh oh! Qu'est-ce qui t'a sorti de ce putain de coffre? Ouais, il y a eu ça, ouais, c'est vrai. Un peu, mon gars. Même si je me demande encore pourquoi ça a pris si longtemps. Et si on essaie de fermer notre gueule jusqu'à ce qu'on arrive? Eh ben, ça me va. Je sais pas la gueule, ce que j'ai quand même. Ah, si j'allais, t'es bon. M'écoute pas, jamais de toute façon. Ah, si j'allais, t'es bon, vous avez pas idée. Il me fait rire là, mais aïe, ça n'a pas de sens. On est arrivé. Bon, on y est. Ouais. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est marcher. Ouais. Fastoche, non? Ouais, fastoche. Et si les fixeurs se pointent? Ouais. Eh ben, je te couvre. Ok. Ça va, t'as compris? Ouais. C'est notre piège. Ouais. Répète. C'est notre piège. C'est notre piège. C'est notre piège. Tobias. Ouais. Le dis pas à haute voix, sinon ils vont savoir que c'est un piège. Ouais, c'est vrai. C'est notre piège. Ray, t'es trop près, ils vont me voir. Dans cette mission-là, vous devez vous cacher. Mais faut que vous suivez Tobias de près. Non mais, vous vous croyez drôle? C'est dingue se croire chez eux ici. Ça fait pas rien. Hé mon pote, tu crois drôle? Hein.
ce mec. Il a vraiment pas l'air net. Apparemment, c'est un détective privé. Mais t'inquiète pas, il en a pas après toi. Le type sur le banc, là, il me lâche pas les yeux. C'est un ouvrier en pause déjeuner, foueur. Alors continue. T'inquiète, il va retrouver ses amis. Tout va bien. On va laisser ta place se manier un peu. Mais il y a un type qui te suit. Je panique pas, je panique pas. Hé, hey, mon gars, t'aurais pas une petite pièce pour un vétéran? Mais attends, j'ai l'air d'avoir de l'argent, moi. Mais sérieux. Hé, hey, t'es pas obligé de répondre comme ça. Je te demande juste un petit coup de main. Bon, c'est bon, il t'y met pas en fait. Par contre, le clodo qui arrive, j'ai aucune donnée sur lui. Oh, pour qui toi, hein? En foutez-moi la paix! Tu te pointes chez moi sans invitation? Mais on est en pleine rue là! C'est pas chez vous que je sache! Débarrasse-toi de lui, putain! On n'a pas de temps à perdre, mon pote! S'il vous plaît, hein. Dégagez ou je vous nique la tête. Tu niques la tête? Mais t'es vraiment un gros enfoiré de bâtard comme mec, toi. Oui, d'accord. Au revoir. Et merci. Tobias, fais gaffe! Hey, tire pas, Tobias, toi! Tiens, moi je tease, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, tu peux ouvrir. La voie est libre. Si t'avais un flingue sur la tempe, c'est exactement ce que tu dirais. La différence, c'est que moi, j'ai pas un flingue sur la tempe. Ouais, bah voilà, ça aussi, tu le dirais. Putain. J'ai pas le temps pour ce genre de conneries. Donc là, enfin, quand tu es tout dépixé. Là, la cavalerie. Je vais pas avoir le temps de localiser son portable. Foueur! Faut que tu m'aides là! Les caméras, ouais! J'ai installé des flingues sur les caméras! Putain, alors là, je suis bluffé! Des grenades! Prête le ton! Ouais! J'ai des facilités sur le coup! Sans blague, putain! Oh, je m'attendais à un type ou deux, mais tout ça, rien de pour foi! Vous avez vous lui déjà pas, mec. Bon, viens, je te baisse. Je vous baisse, les gars, je vous baisse. Tiens, pas. Je sais que t'es là, quelque part. Moi, c'est pareil, nous, avec les arrêtés municipaux, ça, quoi. Ouais, on s'en fout, dans la mairie, c'est comme si tout n'existait pas. Ray, il faut que t'arrêtes ces types.
t'inquiéter pour moi. Je te protège, je te dis, c'est pas de ton tour. Prends la dernière vie de mort. Baissez la tête, contournez-le. Je suis trop. Ça m'énerve quand ça arrive. Vous tirez, mais d'un coup, bam, tu me bats. Allez, je peux pas. Merde, on est toi. Rien de personnel, mon pote. Oh. Je les aime pas, mais ils commencent à me tomber sur les nerfs. Bon, où est-ce que tu vas, mon gars, hein? Ok, pas très bien. Préparez une séquence de désactivation. Restez chaud. Faut que je trouve où mène ce putain de portable. On va voir si c'est mon jour de chance. Non, quel point de compétence qu'on se pourrait se mettre les gens. On va y aller en piratage ce coup-là. Batterie supplémentaire et puis pourquoi pas les bandes escamotables. Bon, mais maintenant, une fois que vous avez miné tous les fixeurs, comme il a dit, ben, vous devez aller pirater tout simplement le portable. Bingo. Je reste assez près de lui pour tracer le signal de son GPS. Et savoir où il est allé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire la suite tout de suite parce qu'il faut que je fasse le gameplay de mercredi aussi. Donc, on se retrouve aussi encore par après pour une autre vidéo parce qu'on est jeudi. Donc à tout de suite tout le monde, peace.